Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poser devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là,
Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, solennité de l'Assomption. Nous fêtons l'entrée de Marie, Mère de Dieu, dans la vie de la Trinité. Ayant achevé son pèlerinage sur la terre, Marie est accueillie et acclamée par les anges dans la cour céleste. Elle entre dans la gloire de son Fils. L'humble servante de Dieu, Notre-Dame des douleurs, toute joyeuse, rejoint celui qu'elle a porté dans son sein, celui qu'elle a nourri de son lait maternel, celui qui est en même temps son Fils et son Dieu. Elle a su se conformer à la volonté de Dieu pour avoir part à son héritage. Et c'est remplie de l'Esprit Saint qu'Élisabeth s'écrie : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Bien avant elle, l'ange Gabriel salua déjà Marie. « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Chers frères et sœurs, vous retrouvez là les paroles du « Je vous salue Marie » que nous disons au cours du rosaire. Nous ne redisons que les paroles de l'ange envoyé par Dieu et celles inspirées par l'Esprit Saint à Élisabeth. La Vierge Marie connaît plus que quiconque Jésus son Fils. Tous les âges la diront bienheureuse. Car bienheureuse elle l'est réellement, et personne ne peut lui arracher ce privilège. Elle a connu des moments de douleur quand on lui remit le corps inerte de son Fils bien-aimé. Maintenant, elle a la joie d'entrer dans la communion éternelle avec son Fils glorifié. Approchons-nous d'elle, et elle nous conduira à son Fils. Ô Marie, apprends-nous à dire oui au Seigneur. Bonne fête à toutes et à tous. Venez, prions de joie.